dans tous les cours, hein, ils travaillent, et c'est ce qu'on va faire, on va travailler sur le dentien moyen. Donc, qu'est-ce que le dentien moyen? C'est les poumons, le cœur. Donc, et notamment nous, les femmes, hein, on est énormément dans cette partie ici, hein, tout ce qui est émotion, on le sent, on s'emporte très vite, et vous le sentez, hein, la respiration, elle est souvent ici, elle est souvent bloquée. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? Là, dans ce cours, on va venir faire descendre le dentien moyen dans le dentien inférieur. Le dentien inférieur, c'est ici, hein, c'est notre réservoir d'énergie. On va essayer, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de faire fondre ici, trop de choses pour, hop, on va pousser vers l'arrière pour faire descendre dans le bassin, tout vers la terre pour bien s'enraciner, pour bien s'ancrer, et puis aussi retrouver de la fluidité, de la légèreté ici au niveau des poumons, au niveau du cœur, hein, pour s'alourdir dans le sol, être plus enraciné, et aussi être dans ces mouvements, être plus disponible, plus fluide, pour recevoir aussi tout ce qui nous arrive, parce qu'il nous arrive des énergies, mais aussi des paroles, et pour, vous voyez, pouvoir mieux capter les paroles, pour ne pas, hein, en ce moment, on est un peu cocotte minute au niveau des épaules, tchac, et dès quelque chose nous arrive ici, que ce soit une parole, un acte, ou peu importe, on sent très vite que, voilà, il y a plein d'émotions, voilà, on est un peu perturbé. Donc là, on va essayer de lâcher au maximum, hein, le cœur léger. Donc en Chine, on a déjà commencé l'été. Donc l'été, c'est la saison du cœur, hein. On le sent parce que quand les beaux jours, hein, vous avez vu, vous étiez ouvert, hein, vous n'aviez qu'une envie, c'est aller vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez reçu dès que le confinement a été entre guillemets fini, mais on a vraiment eu envie de sortir, d'aller voir des amis. Donc l'été, c'est ça aussi. Donc là, on va aussi travailler, on va continuer à travailler les poumons parce que c'est important. Le Covid est toujours là, moi je ne crois pas qu'il soit disparu. Mais... et aussi, on va travailler... Pour nous, hein, les femmes, hein, tout ce qui est voilà, le dentien, on dit dentien moyen. Si jamais il y a une qui veut prendre la parole. Brigitte. Oui, Brigitte, bonsoir. Moi, bizarrement, je suis plutôt bien. Je pense que le fait d'être... à la maison, avec ma famille, mes enfants, bon, même si ce n'est pas évident de travailler avec les enfants à côté, mais globalement, j'ai retrouvé un équilibre avec les enfants qui est plutôt sympa. Ouais, bah moi aussi, j'en avais besoin. J'ai retrouvé mon fils qui était en pension. Ça m'a fait du bien de l'avoir à mes côtés, même si c'était mon grand compagnon de confinement. C'est pas toujours évident, mais voilà, ça m'a fait plaisir de rentrer dans ma coquille. C'est un peu difficile d'en sortir, et c'est un peu pénible aussi, comme vous avez dit, de s'adapter tous les jours, c'est d'être flexible avec ces emplois du temps qui varient, les enfants qui vont, qui viennent. C'est vrai que moi je trouve que ça m'a fait du bien de revenir dans mon intériorité, dans ma maison, de me retrouver avec ma famille, avec un temps plus slow. Ça m'a fait du bien, et j'ai beaucoup aimé le silence aussi. Le silence, et je suis beaucoup allée me promener seule dans les bois. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais à écrire. Moi, ça, j'ai adoré cette période. Donc voilà. Je suis heureuse de vous retrouver. Ok, on commence. On y va, les filles. Donc on va. C'est bon? Ouais, ok. Donc allez, fin de journée, quoi, la journée de travail, on va commencer une toute autre journée, on frotte bien les mains, bien, et on va, allez, inspire, hop, et vous soufflez, on expire, à nouveau, inspire, on tire la peau, et on expire. À nouveau, inspire. Expire. Menton. Des points d'acupuncture. Au niveau de la bouche, 3 fois dans un sens, 3 fois dans un autre. Au niveau du nez,
La porte des parfums, hein, c'est la fin du méridien du poumon et dans l'autre sens. On n'est pas très belle, mais ça ne fait rien, on est entre nous. Hein. Hein? Au niveau des yeux, là, hein, le majeur, là c'est le début du méridien, l'estomac. Voilà. Et on lisse. Allez, on lisse toutes nos tensions de la journée. Ah. À nouveau, on se le menton, la bouche. Ah, méridien de la rate, point de la rate. Hein. La rate, c'est l'anxiété. Quand on rumine, voilà, porte des poumons, on va bien dégager hein, l'accueil des parfums dans l'autre sens. On revient au niveau des yeux. Trois fois dans un sens. Trois fois dans un autre. Inspire, on va rester un petit point ici. Troisième œil, hein, point de la clarté. Inspire. On appuie un petit peu plus. Expire, relâche. Toutes les tensions. Inspire. On vient lisser le front et on tire. Là, hop, vous avez déjà travaillé avec moi. La première phalange de l'index, ok, c'est plutôt la deuxième, on va la faire. Allez, sur l'inspire, on vient sous les paupières. Vous retenez votre souffle et sur l'expire, on chasse, hein. Vous tirez, tirez, tirez l'arcade sourcilière. Hein, on appuie un petit peu plus sur les tempes. Et on lâche. À nouveau, inspire. On vient lisser. Sous les yeux. On retient son souffle. On tire, on lisse. Et on expire. Et on chasse. Un petit point. Dernière fois, inspire. On retient son souffle. Et on lisse et on expire. Et on chasse. Attention, je chauffe. Et attention, on chauffe. Les oreilles deviennent rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je me recoiffe. Là, les oreilles, on va bien tirer vers le haut et vers le bas. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Si vous avez du mal à vous endormir, il y a un point en acupuncture, juste ici, juste derrière l'oreille, ici, juste, je vous fais voir, là, hein, vous activez le soir avant de vous endormir, ici, hein, d'accord? Et vous faites, vous tournez 10 fois dans un sens, 10 fois dans un autre. Ok? Un autre mouvement aussi. Pour chasser toutes les tensions au moment de vous endormir, chauffez le corps, vous faites venir l'énergie. Là. Inspire, petit doigt sur le troisième œil. Là, la ligne médiane, vous tricotez. Hein. Inspire, vous pressez un petit peu. Hein, on sent l'alignement et vous tirez. Et vous chassez. L'intention, c'est de. Allez, on fait le vide. Inspire, on presse hein, les points d'acupuncture et là on lisse. Et on va faire de même tout au long sur la tête, hein, la ligne médiane. On pose, on a nos petites aiguilles, hein, nous les qigongueuses, et on tire. Et on lâche. Et on vient lisser. À
J'ai mon chignon, on presse et on lisse. Le petit put, vous pressez. Et vous tirez. À la base, hein, le cervical, on presse. Et on tire. L'intention, c'est de chasser toutes les tensions. On chauffe. On chauffe, on chauffe, on chauffe pour revenir l'énergie. Hein. Que je vous ai dit, la manifestation d'énergie, c'est la chaleur aussi. Hein, l'équipement, le tournement, on vient placer et on vient masser. Et on sourit. Le visage détendu, c'est notre moment. On se fait du bien. Hop, les deux mains se posent à l'arrière, les doigts crochés, crochés. On vient, on prend, hein, on agrippe. Là, le haut, là, souvent, il y a des tensions. Hein. C'est tendu ou malaxé. Petit massage par soi-même, un automassage. On agrippe. Et on chasse. À nouveau, on met, on malaxe. On appuie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez plus de temps que 19h, juste pour savoir, ou est-ce qu'il y a des impératifs à 19h pile? L'idée, c'est est-ce que voilà, on prend un petit temps pour se poser et l'idée, c'est de vous proposer un travail avec deux sons, Tsing et Tsong. Tsing, c'est un son très, très haut, très, très clair, qui va nous relier terre, ciel. Et Tsong, c'est un son beaucoup plus grave, un son de tambour qui va nous ramener vers la terre. Donc, c'est deux sons médicaux pour chasser, on va venir chasser les tensions sur cet exercice tête, cou, épaule, devant du corps, derrière du corps, au niveau du bassin, genou, genou, pied. Est-ce que vous avez un impératif ou pas? Sinon, on commence tout de suite les mouvements. S'il y a quelqu'un qui a un impératif à 19h, dites-moi, sinon on fait le travail des sons de soins. Non? Non, c'est okay. Bon pour moi. C'est bon? Ok. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est de vous asseoir, tout simplement. Et après, on se mettra debout après ce travail. Donc, voilà, vous vous asseyez bien dans votre bassin, hein, au bord de la chaise. Hein. C'est, vous mettez les ischions, hein, au bord de la chaise. Vous êtes bien dans votre bassin, dans le pli de l'aine. Et vous vous balancez tout doucement, hein, pour trouver votre position la plus juste, celle qui vous convient le mieux. Et petit à petit, je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc, on va travailler. Donc, le son. On va faire monter. Donc, l'idée, c'est, vous fermez les yeux, hein, vous vous laissez vraiment prendre par le son. Et là, l'idée, c'est conscience au plus profond du ciel, vous allez chercher votre étoile, hein, dont vous visualisez un bleu profond et une belle clarté, hein, une belle lumière qui vous est renvoyée. Et son, c'est son. L'idée là, c'est de. Voilà, avec le son, on va aller chercher très très haut et ensuite le son va venir, on dit, battre comme sur des tambours, c'est-à-dire qu'on a un tambour au niveau de la tête, au niveau du diaphragme. Et au niveau du plancher pelvien. Ok? Donc, et là, je vais vous guider pour les visualisations. Donc, fermez les yeux.
Inspire. Expire. Son. Je laisse toutes les tensions de la tête s'évacuer. À nouveau. Son. Tous les muscles du visage sont relâchés. Je détends les yeux, la bouche, tout le visage, je laisse aller dans les épaules. Ting, inspire, ting. Je laisse aller toutes les tensions au niveau des cervicales, des épaules, coudes, poignets, jusqu'au bout des doigts. J'accueille l'énergie au niveau des épaules qui coule le long des coudes, poignets, doigts jusqu'au bout des mains. Son. Je laisse aller toutes les tensions au niveau du cœur, l'estomac, du ventre, des organes. Son. Relâchez le cœur, le ventre bien ancré dans le bassin. Connectez au ciel, à la lumière de l'étoile. Je relâche toutes les tensions dans le dos. À nouveau cette intention. Je laisse aller toutes les tensions qui coulent le long de la colonne vertébrale. Léger au niveau du bassin, des cuisses, des genoux. Et sur l'expire, bien ancré dans le bassin, je laisse les tensions couler le long du bassin, des cuisses, des genoux. Ting. Relié au plus profond du ciel, je laisse les tensions, bassin, cuisses, genoux, mollets, chevilles, jusqu'au fond de la terre-mère bien ancrée. Une dernière fois, on fait un dernier balayage.
Inspire et un beau son du tambour. Toute seule, chuchotez. Expire. Grand nettoyage. Vide toutes les tensions vers la terre-mère. Plus de tension, l'esprit est calme, comme une grande étendue d'eau. Le corps est détendu. Inspire, le ventre se gonfle. Et sur l'expire. Parfaitement détendu, calme, la respiration fine et légère. Venez fixer dans chacune de vos cellules ce moment de détente pour pouvoir le retrouver à tout instant. Inspire. Expire, envoyez partout à chacune de vos cellules cette sensation de bien-être, clarté, lumière. Corps, respiration, tout bon. Et petit à petit, vous allez pour vos mains. Touchez le visage une dernière fois. Inspire. Expire. Une fois. Inspire. Allez, un grand nettoyage. Expire. Je vous invite à vous mettre debout. On va commencer le travail. Et je vais mettre une musique pour nous accompagner. Vous allez me dire si vous entendez. Est-ce qu'il y en a une qui peut me dire si elle entend ? Mon fils qui m'a réglé ça. Oui, on entend. C'est assez fort ? Un petit peu plus fort, peut-être. Oui, c'est bon pour moi. C'est bon ? Ça va ? Ça ne vous gêne pas ? Non, c'est bon. Musique chinoise. C'est la Céline Dion chinoise. Donc, elle chante des mantras bouddhistes. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. D'où je suis, vous me voyez ? Oui. Comme ça, allez, je vais manger. Inspire, expire, relâche, se mettre bien dans les pieds.
conscience de son axe. On va faire un mouvement d'ouverture. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu, Carole, parce qu'on ne t'entend plus très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu ou mettre la musique un peu plus loin, parce que du coup, on ne t'entend plus trop. Ouais, et même la musique, ça, je pense que je vais l'enlever. On va faire... Et je me demande si vous me voyez. On te voit bien, oui, mais on ne t'entend pas parfait, bien. Ouais. Là, c'est parfait. Oui. Impeccable, on t'entend bien. Oui, vous ne voyez pas mes pieds. Si, si, on voit tes pieds. Si, on voit tes pieds. C'est important. Donc, en premier, l'unité. OK, les filles ? On est rassemblées. Inspire. Donc, on est toujours un tir baillé. Vers le ciel, hein, l'homme entre le ciel et la terre, un des grands principes chinois. Inspire, relâche. Le vide et le plein, on ouvre. Les pieds largeur des épaules. Et on va juste faire des petits mouvements de va-et-vient, juste pour planter notre arbre dans la terre. Ok ? On travaille ici l'ancrage. Donc vous allez faire des petits va-et-vient. Juste pour bien aplatir, aplanir la plante des pieds pour pouvoir bien trouver votre ancrage. Et on se pose. Et on dépose toutes les tensions. Un beau mouvement d'ouverture. Inspire. Reliez. Le ciel et la terre. Et on lâche. Lâchez épaule. On va vider le den tien moyen qui va venir dans les bassins. À nouveau. Inspire. Et relâche. Donc c'est notre salutation en Qigong, hein, au ciel, à la terre, à tout ce qui nous entoure, mouvement hein, pour venir capter l'énergie. Ok. Allez, on prend, on va continuer hein, ce mouvement d'énergie, on tire, petit point, tai chi. Comme si on prenait un petit oiseau hein, dans notre main, pas de force hein, en Qigong, très léger. Et on va venir travailler les épaules, hein, puisqu'on travaille énormément sur l'ordinateur, on a beaucoup de tension. On tire l'énergie vers soi. Ok ? Et on ouvre. Allez. Inspire. On ouvre bien, hein, bien grand et large. Et relâchez. Inspire. Ouvre bien. Et relâche. La colonne est fluide, légère. Relâchez. Dans l'autre sens, inspire. Déroule, on ouvre et relâche. Ouvre bien, hein. On ouvre aussi hein, la cage thoracique, là, les poumons, hein, méridien des poumons, qui commence ici, qui se termine au premier coup du pouce, et relâche. Relâche. Dernière fois. On ouvre bien. Et on relâche. On revient dans sa verticalité et on va traîner les épaules. Et on presse, on presse, on presse. L'une monte, l'autre descend. Le principe du yin et du yang. Vous devez sentir. Là, ça vient travailler le point d'Ongzong. C'est la mère du sang, qui est un point, le 17 vaisseau conception, hein, qui est important pour nous les femmes. Là, il y a beaucoup de choses hein, qui sont bloquées.
celles qui ont déjà fait continuer un mouvement, celles qui ont déjà fait le Qigong avec moi, je le dis toujours, on ouvre pour ouvrir notre petit lotus hein, qui est là, et en même temps, vous venez presser un autre point à l'arrière du dos du vaisseau conception. Vous pouvez sentir, ça fait bien, ça débloque, et on joue sur les oppositions, le yin, le yang, hein, dans l'autre sens. On ouvre bien, grand, ça fait longtemps, hein. On travaille, l'idée c'est de défroisser aujourd'hui le corps. Hein. On reprend contact avec notre corps. On s'assoit, les pieds, largeur des épaules, les mains au niveau de la terre. On est bien assis dans son bassin. Et là, on va travailler ce que je vous ai dit, le deltième supérieur, quoi, un moyen. On va venir gonfler, hein, gonfler les poumons, le cœur, et on va venir faire de l'espace au niveau du ventre. Hein, on a beaucoup. Moi, je travaille, je suis comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on a toute cette partie, l'estomac, la rate, le foie qui sont compressés. Donc là, on va venir faire de l'espace. L'espace partout, on va donner de l'espace, de la vie hein, à nos organes. Ok, on y va, c'est ça, de travailler sur cette intention, de faire du bien, de faire de l'espace. Et on va soulever, inspire, hein, le couvercle des épaules. Maintenez votre axe, pas comme ça, d'accord? Bien, inspire. Bloc et expire. Vous faites descendre hein, la poitrine, les épaules dans le bassin, bien ancré. À nouveau, depuis la terre, hein, c'est notre tremplin d'envol, on va chercher l'énergie. Genoux, cuisses, bassin, ventre, poitrine, épaules, visage, baïbe, sommet de la tête, hein, suspendu. Le corps infiniment grand, plus loin que le corps physique, on travaille dans le corps énergétique. Et relâche tout doucement. L'énergie passe au niveau du visage, épaules, cœur, poumons, les reins, le bassin, les jambes, genoux, mollets et pieds. Inspire. On aspire hein, l'énergie depuis la terre, on se remplit. On bloque. Faites de l'espace. Cherchez un peu le corps. Et relâchez. Les épaules. Poumons. Cœur. Bassin. Genoux. Cheville. Allez, inspire. Le corps infiniment grand. Les épaules se posent sur la ligne du bassin. Le bassin se pose sur la ligne de la terre. Maintenant, on va accompagner le corps grand. On monte et on monte aussi sur la pointe des pieds. Et vous êtes dans votre centre, ce qui va vous permettre de vous tenir. On pose les talons. Et l'énergie descend. Tire d'ailleurs. Les épaules descendent. Cœur. Poumon se vide. Connexion avec les reins. Bassin. Genoux, cheville et pieds. Allez, depuis la terre, l'énergie. Monte. 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 Infiniment grand. Reliez la tête dans le ciel. Le ciel arrose et le corps se pose. Talons, épaules, abdomen, bassin, genoux, chevilles. Une dernière fois. Inspire. Expire. Talons. Je me pose, je
bassin, genoux, lâchez-moi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les mains, les doigts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, les mains, un petit peu de moudra, donc hop, on s'en sert, les doigts, on s'en sert beaucoup. Hop, donc, comme ceci. On les déploie. Et le 8, en Chine. Donc là, c'est le méridien du poumon qui commence ici. Hein, ouverture de tout ce méridien qui se termine à l'ongle du pouce, la gueule du tigre, là c'est le couple poumon-gros intestin. Donc, on va le travailler parce qu'on va finir la séance avec le son des poumons, hein, avec le Covid, et on va, donc ce mouvement-là, des mains, se servir. Donc, allez les filles, hop, le 8, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, relâche, ok, on se pose, on frotte les mains, ok, on s'assoit beaucoup, donc tout le bassin là est très peu innervé, et le problème c'est qu'on a beaucoup beaucoup de muscles là. Ça, vous devez travailler avec des mudras, très certainement en pilates, dans le dos, hein, notamment au niveau du bassin, il y a beaucoup, beaucoup de muscles qui sont attachés. Donc, allez, on frotte, les reins, hein, ils sont sous les côtes, ils ne sont pas ici. Hein. Donc, frottez bien l'énergie Jing, votre énergie originelle. On va pousser le bassin. Hop. On frotte. On monte l'énergie. Les reins, les surrénales. Surrénales, les hormones. Hein. Pour vous les femmes. Et le mouvement va devenir de plus en plus petit. Et restez un petit moment, on va respirer dans les reins, l'énergie de vie, hein. Allez, inspire, absorbez, hein, toute la chaleur dans vos mains, expire, j'envoie cette énergie partout dans le corps, à nouveau, inspire, expire, envoyez cette énergie depuis le centre, Mille-mains d'antienne jusqu'aux périphéries. Les pieds, les mains. À nouveau, inspire. Expire. Lâche. On vient mettre les mains au niveau, ici, la taille. Et notamment au niveau des hanches. Là, il y a le 26, 27, 28 vésicules biliaires. Méridien important qui est couplé au foie. Nous, on n'a toujours pas quitté le printemps. Le printemps, c'est le foie, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est la bile. Lorsqu'on... Ça tourne. Donc, en venant faire le mouvement qu'on va faire, et en venant un peu presser ses poings, on va travailler aussi sur le couple foie-vésicule biliaire. Donc, les filles, ce que vous allez faire, vous allez pousser le bassin. Donc là, vers l'avant. Donc ça veut dire, hop, les fessiers, on les serre. Donc on monte aussi le pubis, hein, et on vient travailler quelque part aussi l'utérus. Hein. Pour nous, c'est hop, on vient hop devant. Vous allez pousser côté, vous asseoir dans le bassin. Devant, c'est notre grand, grand cercle. Hein. Hop là, côté, on détend les fessiers.
Je vais mettre plus loin. Grand. On s'assoit. On pousse. Viens m'ouvrir. Dans l'autre sens, on pousse. Puis le mouvement va devenir plus petit, beaucoup moins grand, beaucoup moins d'intention. Et vous allez vous fixer sur le dantian inférieur. Donc, qui se trouve ici, vous allez venir nourrir le bassin, l'énergie du bassin. Ça, pour Belinda, je pense que dans les danses latines, parfois tu dois beaucoup utiliser le bassin. Donc là, très sensuel. La sensualité est une forme d'énergie. Dans le Qigong de la femme, très très utilisé. Dans l'autre sens, et au niveau, donc dans mon mémoire, j'ai fait toute une partie sur le système immunitaire, mais juste pour vous dire que la plus grande partie envahissante à la moelle épithéliale, c'est que la moelle qui produit tous les globules blancs, se situe au niveau des os du bassin, d'où l'importance de bien travailler le bassin. Et tout doucement, faire un mouvement de plus en plus petit pour devenir tout petit mouvement et revenir à l'immobilité. Je vous invite à fermer les yeux et on va inspirer. Inspire, contracte périnée, énergie monte dans du mal, le canal central jusqu'à la gorge. Et sur expire, on se laisse aller. Inspire, absorbe l'énergie, petit bisou à la terre, l'énergie monte jusqu'à la gorge. Et relâchez, relâchez. Faire circuler l'énergie, déployer. Inspire. Relâche. Ok. On va faire les genoux. On frotte. Frottez bien l'intérieur des cuisses. Méridien yang, Yin. Là, il y a le soie, la rate. Frottez les genoux, méridien de la rate, de l'estomac. Et on va descendre lourd, hein, lourd vers la terre. On descend et on vient travailler l'énergie cheville, genou, bassin, jusqu'au sommet de la tête. À nouveau, lourd, on descend lourd vers la terre. Énergie quand on monte, l'énergie cheville, genou, bassin, jusqu'au sommet de la tête. Dernière fois, descend vers la terre, lourd. Et léger quand on monte. Et on reste. Les pieds rassemblés. Allez, on va. Inspire, talon. Expire, orteil. Inspire, talon. Expire orteil. Inspire talon. Expire orteil. Inspire talon. Expire orteil. Inspire talon. Expire orteil. Je repose. Je m'enracine dans la jambe droite. Je libère la jambe gauche, le pied. Et inspire talon. Expire orteil. Inspire talon.
expire l'orteil. Inspire talon. Expire orteil. Inspire talon. Expire orteil. Inspire talon. Expire orteil. Inspire talon. Expire orteil. Allez, les orteils, on finit. On aura fait tout le corps, les orteils, comme les doigts. Allez, vous essayez de bouger tous les orteils. Je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, c'est bien presque. Hop, 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 hop. Je crois qu'il est plus facile de bouger les doigts que les orteils. On s'enracine dans la jambe. Hop, on libère le pied gauche. Et faites bouger vos orteils. On libère les tensions jusqu'au bout des pieds. J'espère que je ne vous ai pas perdu. S'il y en a une qui peut me faire un petit coucou. Non, tu ne nous as pas perdu. Ok. On se fait, allez, 3 derniers mouvements. Parce qu'il est déjà 19h10. Ok, on va finir par trois beaux mouvements de Qigong. Parce qu'on a fini l'échauffement, on s'est nettoyé hein, tout le corps. Donc on reprend, inspire, on reprend notre axe, hein, notre unité. On pense à Baiyue depuis la terre. Hein. C'est bon. Le corps vivant hein, qui respire partout. Puis vous retrouvez votre unité. Inspirez. Les bras montent. Grand, très haut. Pas les épaules. Hein. C'est vraiment les doigts que vous allez chercher haut dans le ciel. Lâchez. Les ailes de l'oiseau. Vous êtes un aigle. Cherchez, hein, ouvrir. Ouvrir depuis le milieu. Lâchez comme un oiseau. Vous êtes un aigle. Travaillez les poumons là. On va chercher la terre. On se pose sur la terre. Depuis la terre, l'énergie monte. La paume des mains, c'est le cœur. On vient au niveau du cœur. Et on relâche. On lâche. Dentien, moyen, hein, toutes nos émotions, tout ce qu'on a sur le cœur. Allez, au niveau du bassin, genoux, pieds, et on vient lâcher dans la mer, dans la terre mère. Ok ? Elle sait ce qui est bon pour nous. L'écologie. Allez, l'écologie du corps. Depuis la terre, hop, on laisse monter. Énergie. Haut. Très haut, plus loin que le corps physique, le corps énergétique qu'on va chercher. Là où il y a des chakras, vous ouvrez. Les ailes de l'oiseau, l'aigle, il faut relâcher. Relâche le dos, on se met dans les talons. Relâche tout ce qu'on a sur le cœur. Bassin, genoux, cheville, pied, dans la terre. Inspire. Et en même temps, on va soulever. D'ouverture des poumons, ok? On continue comme ça. Allez, inspire. Là, inspirez, visualisez une belle lumière
belle lumière blanche. Ok ? Les mains. C'est notre mouvement du 8. Viennent se poser au niveau. Le point 2 des poumons. Ok ? Inspire. Expire. On baisse. On vient vider. Hein. Vider le cœur. Cœur qui vient correspondre. Hop, qui communique avec les poumons. Depuis la terre, l'énergie monte. On tire les coudes vers l'arrière. Donc l'énergie va venir de la terre, les poumons. Et là, vous allez bien ouvrir. On va avoir un mélange énergie de la terre et du ciel qui vont venir au niveau des poumons, alchimie. Hein. On est notre propre alchimiste. On respire et là, tout doucement. Le son. C'est le son. Comme un serpent. Donc, les zygomatiques. Et c'est tout simplement, vous allez laisser vibrer le son derrière vos dents. Et ça va venir. Vous allez vider vos poumons. Vous allez sentir une pression au niveau des poumons. On va venir laver les poumons. Et ce qui est important dans toutes ces pratiques corps-esprit, c'est la visualisation. Vous allez visualiser donc une couleur grise qui va sortir de vos poumons. L'intention nettoie, faire sortir l'impur. Et on va inspirer, on va accueillir, on fait de la place. Hein. On nettoie, on fait de la place. On fait un grand ménage. Hein. Et on va visualiser, inspire, une belle énergie. Hein, énergie. Le poumon aime l'énergie blanche. Vous visualisez comme si vous étiez à la montagne. Voilà. Tout en haut d'un sommet, le blanc, le pur, la nature, le calme. Et vous allez vous remplir. Hein. Vous êtes là aussi pour vous faire du bien. Le corps, hein, comme un volume. Vous allez prendre toute cette énergie. Hein. Tac. On expire. On descend vers la terre. On lâche tout ce qu'on a sur le cœur. Cœur qui vient communiquer avec les reins. La chaleur du cœur avec l'eau des reins. Et depuis la terre, on va prendre notre envol. Ok les filles, donc on va le faire trois fois. Donc on reprend. Ok, inspire. Donc le corps hein, se tend hein, vers le ciel. Et sur l'expire, relâche, on ouvre. On reprend notre position, hein, notre triangle. Hein. Planté. Notre corps, hein, c'est notre temple. C'est la vie, c'est sacré. Hein, on prend soin. Ok, allez, inspire. Tout doucement, on capte cette belle énergie. Vous l'amenez vers vous. Tout doucement, vous commencez. Vos pouces. Expire, on descend. Vide le cœur, remplit les reins depuis le sol. On tire les coudes vers l'arrière. Visualise hein, une belle lumière blanche. Expire. Coude vers le sol. Les épaules tombent. Le cœur se vide. Remplis les reins. Inspire. Énergie. Bassin. Abdomen. Coude vers l'arrière. Tu me remplis. Tu une belle énergie du ciel. Et sur l'expire. Voilà.
Inspire. Relâche vers la tête. Vive le cœur. Remplis les reins. Depuis la terre, l'énergie. Les pieds, les jambes, bassin, abdomen, tire. Que de l'espace. Rempli d'énergie pure du ciel. Et on nettoie. Les mains viennent au niveau des méridiens du poumon, les deux points, et on frictionne. Change. Frictionne bien. Hein. On renforce nos poumons. Change. Change. L'intention, c'est de faire rentrer la chaleur dans le poumon. On fait venir une belle image de carte postale, de neige. Allez, inspire. Expire. Inspire le pur, le blanc, le calme, la légèreté d'un flocon de neige. Expire, envoie partout dans ton corps la détente, la légèreté, la pureté. Faire trois belles respirations, juste sentir les mains
se fait tout seulement, selon où se dérange. Vous avez juste à accueillir ce qui est. Merci à vous. On ne se voit pas, mais lors de la dernière séance, ce que je vous avais proposé, c'est qu'on se regarde toutes et qu'on s'envoie une intention de paix, d'amour, de bien-être, d'harmonie, de santé, de sororité. Merci à vous. Merci, Carole. Merci. Merci. Merci beaucoup, Carole. Merci, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Belle soirée. Belle soirée.